Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en fait le coffret gold qu'on a eu en cadeau pour les clients gold chez Sephora en fait. Donc moi je l'ai déjà ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans parce que j'étais impatiente. Et entre temps j'ai vu qu'il y avait une fille aussi que je suis sur YouTube qui a sorti cette vidéo. Donc si tu passes par là, sache qu'on n'a pas eu les mêmes produits. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, la box se présente comme ceci. De mémoire, il y a 5 produits à l'intérieur. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Alors pour commencer, on a un actif hydratant repulpant anti-fatigue et anti-pollution de chez Garancia qui se présente comme ceci. Donc là, on a 15 grammes. On ne nous dit pas en millilitres combien ça fait, donc ça fait 15 grammes. Donc je pense que c'est un format voyage. Voilà. Donc gelée cristalline en eau. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Énergisez votre peau avec un soin high-tech à la texture incroyable. Alors, au cœur de sa formule, le hyalutorine 4 associe deux acides hyaluroniques de poids moléculaire, pardon, différents à une taurine végétale marine brevetée qui booste l'énergie des cellules, Oh, j'y arrive pas. Je déteste lire comme ça en petit. Des cellules et quatre extraits botaniques. Coque de litchi chevelu, sucre végétaux, algues rouges et racines de chicorée, protectrice du microbiote cutané. Donc voilà, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, pardon, sans silicone pour un toucher naturel. Et c'est oil free, donc sans huile, testé sous contrôle dermatologique. Donc là, je n'ai pas les prix des full size. Je vous les afficherai juste ici si je les trouve. Donc ça, je ne connaissais pas du tout. De chez Garancia, je connais seulement la mousse nettoyante. C'est un micro peeling, je crois. C'est une petite mousse, en fait, qui est en 30 secondes ou 1 minute, je crois, qu'il faut laisser poser. Donc c'est la seule chose que je connais de chez eux. Donc on testera, on verra. Donc 15 grammes, ça va. Je pense que ça peut faire quelques utilisations. Donc voilà, à tester, pourquoi pas. Ensuite, une autre toilette de chez Calvin Klein. Donc là, en fait, ce qui m'énerve, et c'est le cas pour 2 ou 3 produits, je crois, j'avais vu, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Donc là, on a 10 ml et j'espère que c'est pour femmes, hein, et que ce n'est pas pour hommes, parce que c'est pas stipulé, mais voilà. Donc il se présente comme ceci, c'est vraiment un petit flacon, en plus il n'y a même pas de pulvérisateur. Non, ça sent la femme. Mais ça sent un parfum mixte en fait. Non, c'est homme ça. Soit homme, soit mixte, franchement, mais moi perso, ça sent bon, mais je le porterai pas personnellement. Une crème fermeté et correction rides de chez Dior, donc c'est capture totale. On a 3 ml. Et là, vraiment, c'est pas un format voyage. Là, c'est un échantillon. Le Garancia, je pense que c'était un format voyage. Mais là, c'est clairement un échantillon. Hein. Ça peut faire, je pense, 2 utilisations. Il se présente comme ceci. Hop, et crème visage et cou. Voilà ce qu'on nous dit. Et ouais, c'est toujours le même truc que tout à l'heure. Je vous le dirai à la fin. Mais c'est incroyable, quoi. Je pense qu'on se fout de notre gueule, réellement. Ensuite, alors, je n'ai plus l'emballage parce que je voulais l'ouvrir, donc donc je n'ai plus l'emballage. C'est un petit bronzer de chez NARS en teinte Laguna. On a 1,2 g. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Bah rien, du coup j'ai plus la boîte. Il est tout vraiment tout petit. Il y a un petit miroir quand même, c'est déjà pas mal. Et ça se présente comme ceci. Hop, je sais pas si vous le verrez bien. Et c'est une sorte de... c'est une couleur assez froide, un marron assez froid comme ça. Il est légèrement, j'ai l'impression, légèrement satiné, mais pas trop. Vraiment un petit peu, quoi. Donc voilà, à tester, c'est pas mal. Et pour finir, un petit rouge à lèvres velouté sans transfert de la gamme Sephora. Donc là, c'est la teinte Une Always Wed. Rouge à lèvres liquide haute couvrance qui part vos lèvres d'une belle couleur mate longue tenue. Une texture veloutée enrichie en huile d'avocat nourrissante. Et fini mat ou métallique, numéro 1 des ventes. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a 1,3 g. Donc ça, c'est pareil. Ce n'est pas un format voyage. Ou je pense pas du tout. Je pense que vraiment, c'est un échantillon.
voyez, le contenant, il est vraiment tout petit. Après, ça a l'air d'être un beau rouge. Donc après, c'est vrai que c'est pas mal les petits formats comme ça, bah, vraiment pour tester avant d'acheter les grands. Et le rouge est vraiment beau par contre, hein. C'est un beau rouge. Donc à tester. Après, moi, je suis pas une grande fan des liquides mats. J'aime bien de temps en temps, mais pas souvent parce que ça assèche énormément les lèvres. Donc voilà, c'en est tout pour cette box. Donc mon avis là-dessus est mitigé, un peu comme tout le monde, je pense. Il y en a qui ont été très déçus, j'ai vu d'autres revues, il y en a qui ont été bah, un peu plus ou moins contents. Donc je ne sais pas si c'est en fait réparti par, bah, par comment dire. Est-ce que c'est réparti en fonction de ce qu'on achète chez eux? Donc en fonction de, bah, je sais pas moi, admettons que vous achetez telle et telle gamme de soins, est-ce que vous aurez tel et tel échantillon en soins? Si vous achetez que du maquillage, est-ce que vous allez avoir que du maquillage? Je ne sais pas comment ils font en fait cette répartition. Mais franchement, je suis un peu déçue. Parce que en fait, on dépense bah, clairement 1500 euros pour avoir la carte Gold. C'est énorme, 1500 euros. Et ce qui m'énerve, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur la majorité des produits, c'est marqué. Hein. Je vous mens pas. C'est marqué où? C'est où que j'ai vu ça? Bougez pas. Je crois que c'était là-dessus. Non, c'était sur le parfum. Alors, c'est où? Bah mince alors, je l'avais vu. Et je... Ah peut-être là-dessus. Non, attendez. Ah bah voilà. Échantillon. Échantillon. Échantillon, vente interdite. Hein. Donc je ne vous mens pas, c'est écrit. Hop, je sais pas si on va bien voir. C'est écrit juste là. Je vous mettrai un petit zoom. Donc ça vaut pour le parfum. Ça vaut. Bon, sur le rouge à lèvres, c'est pas marqué. Alors, est-ce que c'est marqué en tout petit petit juste ici? Je ne sais pas. Non, là sur le rouge à lèvres, c'est pas marqué que c'est un échantillon. Donc, je pense que c'est un format mini tout simplement. Sur le bronzer, je ne pourrais pas vous dire. Peut-être que c'était marqué sur le comment dire, sur l'emballage. Après, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un petit format en vente parce que souvent Nars, ils font des petits coffrets avec les tout petit blush, mais les blushs ils sont vraiment riquiquitos. Je pense vraiment qu'ils font cette taille-là, mais en rectangulaire. Et du coup, c'est marqué bah, sur la crème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai lu quelque part. Où c'est que c'était écrit ça? Voilà. Échantillon ne peut être vendu. C'est marqué juste ici, comme vous pouvez le voir. Hop. Et c'est marqué. Est-ce que c'est marqué là-dessus ou pas? Hop. Non, là-dessus, c'est pas marqué. Non, là c'est pas marqué. Donc on a quand même deux produits et peut-être trois, je ne suis pas sûre, d'échantillons. Donc là, c'est des échantillons qu'on pourrait avoir en cadeau quand en fait on va faire des achats, qui nous met des petits échantillons dans le sac. Je vais y arriver. Maintenant, après oui, je veux dire c'est gratuit, c'est un cadeau, ça fait toujours plaisir. Alors, est-ce que maintenant ça vaut le coup par rapport à tout ce qu'on achète et ce qu'on dépense chez Sephora? Personnellement, je ne trouve pas. Maintenant, je vais pas me plaindre, hein. Ça a été offert. Donc voilà, je testerai ce qu'il y a là-dedans. Mais je suis un peu déçue quand même. Donc voilà mon avis là-dessus. J'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes client Gold, n'hésitez pas à me dire aussi bah, ce que vous avez eu en bah, dans votre box. En fait, ça m'intéresserait de savoir justement par rapport aux répartitions. Parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes les présenter. Donc, il y avait deux, trois, non, même pas un ou deux produits similaires aux autres, le reste pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous!